bienvenue sur notre chaîne Délivrez-nous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre Il n'y a pas de héros dans ma famille de Jovitec. Contrairement à ce qu'on peut penser, Jovitec n'est pas un homme mais une femme. Elle est née en 1968 en région parisienne. Elle rêve de grands espaces. Elle s'est installée dans le sud de la France avec son mari et ses deux fils. Et par contre, Jovitec, quand elle était petite, elle s'est fait renvoyer chez les bonnes sœurs parce que dans son casier, ils avaient retrouvé des lettres d'amour et d'amitié. C'est à partir de ce moment qu'elle choisit d'écrire et de lire. Elle exerce les métiers de lectrice et de scénariste pour le cinéma. Aujourd'hui, elle écrit pour les adolescents. Et elle a déjà été récompensée par plusieurs prix littéraires. Avant, Maurice Dambeck et Mo s'entendaient vachement bien. Avant, je pensais que tous les élèves de la classe de CM2 de Madame Rubiella étaient comme moi. Des mutants de 10 ans avec deux vies et deux identités bien séparées. L'histoire est celle de Maurice, surnommé Mo, un petit garçon de 10 ans, partagé en deux. En effet, on peut dire qu'il mène une double vie entre l'école et la maison. Maurice, à l'école, c'est le premier de sa classe. Il est posé, studieux, réfléchi et il parle très bien. Mo, à la maison, est surnommé Petite Tête ou Bouffon à lunettes par ses frères et sœurs. Sa famille est très bruyante, la télé est toujours allumée et il crie très fort. Et en plus, ils emploient un langage très fleuri, si vous voyez ce que je veux dire. Même Mo dit des gros mots à la maison. On peut dire que Mo est un garçon épanoui et heureux. Il vit au sein d'une famille très aimante. Mais un jour, son univers s'effondre. Tout débute le jour où il va chez son copain Hippolyte pour faire un exposé. Là, il découvre un mur rempli de photos d'ancêtres, tous des héros. Chirurgien, acteur, prix Nobel. Là, il se rend compte que chez lui, il n'y a pas de héros, que des héros. Mo sent le jugement négatif de la mère d'Hippolyte. C'était ça, un coup monté. Madame Castin avait fui notre appartement. Tout le reste du chemin, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi elle était partie si vite, à toute bonne comme Titi, quand il décolle du quartier. Quoi, ça puait chez nous? C'était trop moche pour y passer un après-midi? Trop bruyant? Les réponses cavalaient dans ma tête. Des réponses qui faisaient mal au ventre, comme la musique de Titi à coups de boum boum. Les réponses qui me rendaient honteux, sale et tout rabougri. Alors qu'il était si fier d'eux auparavant, il va soudain avoir honte de sa famille qui n'a pas de héros, que des héros. Et cette situation va le rendre bien triste. Mo va-t-il réussir à dépasser ce traumatisme? Si vous voulez le savoir, allez lire ce roman. Nous avons adoré ce livre. La preuve en est que moi, je l'ai lu en une matinée. Et moi, j'avais hâte de retrouver ce livre pour Silence au lit et avant d'aller me coucher. Très facile de s'identifier à Mo, car il a presque notre âge. On peut s'imaginer faire partie de sa classe. Ce récit est plein d'entrain, d'humour et les personnages sont très attachants. Si vous aimez la famille Tuche, vous aimerez forcément la famille de Mo. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne Délivrez-nous. Les crêpes de Madame Dambeck. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes !